Je vais vous parler de l'entretien du lave-vaisselle encastrable Electrolux 700 Flex. Sur le bandeau, lorsque les voyants liquide de rinçage avec la petite étoile ou sel régénérant avec un S fléché s'allument, il est temps alors de les remplir à nouveau afin que votre vaisselle soit parfaitement nettoyée et ressorte étincelante. Il est également nécessaire de nettoyer les filtres situés dans la partie basse. Puis je pousse la poignée rouge vers la droite, permettant de retirer les deux filtres cylindriques ainsi que la plaque perforée. Je les passe sous l'eau savonneuse afin de retirer tous les résidus d'aliments. Je vais retirer le bras d'aspersion inférieur en le saisissant par le milieu et en le tirant vers le haut. Je le passe également sous l'eau en vérifiant que les orifices ne soient pas bouchés. Puis je la place tout simplement. Je replace les filtres. Pour le bras d'aspersion du plafond, je retire d'abord le bac à couvert après avoir ouvert les deux butées sur les côtés des rails. Je retire le bras d'aspersion en poussant la fixation centrale vers la gauche. Après l'avoir nettoyé sous l'eau, je le refixe en le clipsant bien correctement sur le plafond du lave-vaisselle. La vaisselle possède également un cycle spécial qui nettoie l'intérieur de l'appareil. Il faut que celui-ci soit vide. On utilise à la place du détergent une pince spéciale nettoyant de lave-vaisselle et on appuie sur le programme juste à côté du programme auto. J'effectue ce nettoyage complet environ tous les 2 mois afin de conserver un appareil propre et l'efficacité pour ma vaisselle.